Bienvenue à la Pierre Saint-Martin, en vallée de Barétous. La Pierre Saint-Martin, la station la plus occidentale du massif pyrénéen. Donc nous vous accueillons pour la 4e édition des Cimes d'Aquitaine. Il s'agit pour nous, sur ces 2 jours, de décliner, de mettre en œuvre une partition fédérale autour de 2 objectifs. Le premier étant la promotion des activités de montagne, le deuxième, la formation. Donc ici, nous allons avoir l'atelier DVA, donc qui veut dire détecteur de victimes d'avalanche. On va présenter donc à notre public aujourd'hui ce que c'est que le détecteur de victimes d'avalanche. On va leur faire une petite présentation technique. Ensuite, à quoi ça sert, comment on l'utilise, dans quel cadre. Et après, on fera une petite mise en pratique où on enterrera des appareils sous la neige et les gens pourront vraiment les manipuler et apprendre à s'en servir, mais de manière simple, on va dire. Quand on met cet appareil, on le met vraiment sous une voire 2 couches de vêtements. Une fois qu'on aura plus ou moins repéré l'endroit où on a la personne ensevelie, on déterminera sa position exacte grâce à la sonde. L'objectif de cet atelier est d'acquérir de premières notions d'orientation et on va d'abord chercher à repérer les éléments caractéristiques sur le terrain et les reconnaître sur la carte. Avec David, on va proposer aux gens de découvrir un petit peu toute la palette de sensations qu'on peut avoir avec des chaussures sur une neige dure, parce que la neige aujourd'hui elle est dure. Donc, c'est des conditions qu'on peut retrouver à peu près toute l'année, c'est-à-dire même l'été, un névé dur, comment on fait pour le traverser. Donc, on va proposer aux gens des choses très simples, c'est-à-dire sous forme de jeu, pouvoir progresser à la montée comme à la descente. Voilà, tu peux y aller. Traverser, monter en courant, descendre en courant, pouvoir s'arrêter quand on veut, jusqu'à progresser à peu près sur une zone pas très haute afin de pouvoir se familiariser avec la pente et être capable d'identifier une pente qui pourrait être dangereuse. Dangereuse, ça veut dire qu'on ne pourrait ne pas tenir dessus sans un piolet ou sans des crampons. Quel atelier on a préféré à Mandinia? Le fond de sac était très rigolo. Le fond de sac, on a bien rigolé. Et après, avec les gendarmes. Oui, c'est super intéressant. Et le fond de sac, on a bien rigolé. Et nous, notre atelier consiste à démontrer aux gens ce qu'est un fond de sac. Donc un fond de sac, évidemment, c'est pas seulement leur montrer le fond du sac, c'est-à-dire les matières de première nécessité et les matières qui peuvent être utiles en cas de changement de temps ou en cas de secours. Aussi, il sera utile de rappeler les premiers gestes de secours en montagne, déjà savoir se situer, savoir alerter et savoir secourir en des gestes très élémentaires dans un premier temps. Donc concernant l'objectif de formation, nous avons 3 axes prioritaires. Le premier est de mettre en cohérence des stages d'initiateurs avec cette manifestation, afin de permettre aux stagiaires d'encadrer des participants. Le deuxième point concerne le parcours de formation personnelle, notamment pour des initiateurs SAE qui viennent ici pour s'aguerrir à certaines techniques d'alpinisme pour passer finalement d'une pratique en SAE à l'alpinisme. L'atelier escalade, donc on a plusieurs voies qui sont équipées en moulinettes pour découvrir l'escalade en grosses chaussures traditionnelles, on va dire. On a une voie qui est équipée en terrain d'aventure donc, et on a un atelier de dry tooling pour découvrir l'utilisation des piolets sur le rocher, malheureusement pas sur la glace puisque la météo s'y prête pas, mais essentiellement sur le rocher. Un peu d'appréhension au début, mais en fait c'est vraiment très, très différent comme grimpe. Et t'en avais déjà fait? Jamais, c'est la première fois avec des chaussons de montagne. Le troisième axe concerne la formation continue des cadres, des clubs, à travers l'encadrement des participants au Cimes d'Aquitaine, ils peuvent, au contact des professionnels de la montagne, parfaire leurs connaissances et leurs compétences en matière d'encadrement de groupe. Météo France.
avance dans le domaine de la nivologie, les moyens qu'on utilise pour produire des bulletins d'information destinés au grand public, où est-ce qu'ils peuvent y avoir accès, ce qu'ils contiennent, parler un petit peu de l'échelle européenne de risque d'avalanche, et puis au travers d'une coupe dans le manteau neigeux, montrer des aspects un peu plus pratiques de ce qu'on fait quand on étudie le manteau neigeux. Les cimes d'Aquitaine sont avant tout un véritable travail d'équipe avec une mobilisation importante de l'ensemble des bénévoles. Nous espérons que vous aurez profité pleinement de ces deux jours. Nous vous donnons rendez-vous dans un premier temps pour les cimes d'Aquitaine estivales, le dernier week-end du mois de juin. Et puis, si ces activités vous ont intéressé, vous ont plu, je vous donne rendez-vous sur le site de notre comité régional, sur lequel vous trouverez notamment l'ensemble des activités, des stages que nous proposons sur notre calendrier général des formations.